On retrouve pour ce match une équipe qui avait été battue lors de la dernière journée. Oui, à elle de faire oublier ce résultat et de marquer des points cette fois-ci. Alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours. Ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes, les joueurs. Le visage fermé, ils sont très concentrés, c'est un grand rendez-vous. Coup d'envoi donné à l'instant par la Juventus. La composition d'équipe de la Juventus de Turin, c'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif un drap pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Blaise Matuidi. Alexandro. Il donne sur l'aile vers Cristiano Ronaldo. Voilà, attention, il est pressé. Il est pris, ça peut être dangereux. Mbappé. Un petit peu trop forte cette passe aérienne. L'action s'arrête là. Cristiano Ronaldo qui s'enfonce. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Cristiano Ronaldo, joueur précieux bien sûr dans cet effectif, dans cette équipe. On le retrouvera face à Edinson Cavani. Oui, Cristiano Ronaldo est un joueur redoutable dans la finition, c'est sa principale qualité. Quant à Cavani, c'est un joueur qui fait surtout valoir sa technique balle au pied. Il ne crée pas immédiatement le danger dans ses percussions, il obtient des coups francs souvent intéressants. Pjanic. Leonardo Bonucci. Alexandro. Pjanic. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Pjanic. La Juventus de Turin à l'attaque. C'est récupéré. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui choisit la frappe. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Neymar, ils attendent une ouverture dans la défense. Cavani, Mbappé. Oui, il a pris le 2. Oh, que c'est bien donné, ça. Ça donne un corner pour les Parisiens. Attention, ce corner de Neymar. On se demande s'il y a vraiment cru. Il centre vers Cavani. Le ballon est intercepté, mais ce n'est pas terminé. Pjanic. Juan Cuadrado. Pjanic, Marquinhos, Edinson Cavani, ah, la passe en profondeur, attention, Edinson Cavani qui marque. Ah, c'est bien joué l'Uruguayen qui le rappelle qu'il peut marquer dans n'importe quelle situation. Ah, c'est un beau but, Harvey, hein. Puissant sur la gauche, ça pardonne pas.
C'est le PSG qui mène. Matuidi. Mandzukic. Blaise Matuidi. Juan Cuadrado. Cristiano Ronaldo. Paolo Dybala. Dybala, attention, ça peut faire bout. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Et ballon intercepté par Pjanic. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Le PSG va jouer cette touche. Dani Alves. André Di Maria. Il donne sur l'aile vers Cristiano Ronaldo. Pjanic. Juan Cuadrado. La Juve à l'attaque. Mais alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. Daniel Kimpembe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le tir. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Il écarte le jeu pour Paolo Dybala. Ouais, il est passé, attention. Mandzukic. Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui centre, bien fait. Et il dégage. Cavani. Ouais, faute contre la Juve. Un carton jaune sur cette faute. Joueur de la Juve qui s'est laissé un petit peu emporter, on va dire. Marco Verratti. Dani Alves. Il va s'appliquer sur ce centre. La défense qui maîtrise la situation. Corner pour le Paris Saint-Germain. Le corner de Di Maria dans la surface. Pjanic. Miralem Pjanic qui a représenté deux pays en sélection dans sa carrière. Bah, tout d'abord le Luxembourg chez les jeunes, puis il a fait ses débuts avec la Bosnie-Herzégovine à l'âge de 18 ans. Une sélection dont il est devenu le maître à jouer. Ouais, c'est bien pris par le gardien. Mbappé, il s'avance vers la surface. Il s'est ouvert le chemin du but. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Matuidi. Mandzukic. Il faut qu'il centre maintenant. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Mbappé. Mandzukic, c'est bien donné ça. Allez, qu'est-ce qu'il va faire Dybala? Quelque chose de bien, il en est capable. Un corner pour la Juve. Le corner frappé par Pjanic, pleine surface. Attention, le corner et le gardien qui boxe. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Pierre, la première mi-temps de Cavani, qu'est-ce que vous auriez pensé? C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps.
le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête hein, pour l'instant. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Les Parisiens qui récupèrent. Oh, le gros exploit personnel, attention! Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Non, elle est interceptée cette passe. Dybala, signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Bernat. Marquinhos. Verratti. Thiago Silva. Très mal donné hein, ce ballon. Pjanic. Sacré parcours hein, quand même que celui de. C'est le PSG qui est sanctionné sur ce coup. Avertissement, carton jaune pour Marco Verratti. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. L'arbitre qui a sifflé sur cette charge. On revoit ce vilain geste au ralenti. Il va chercher un partenaire loin devant. Matuidi. C'est la passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, il se pose pas de questions. Long dégagement. Cristiano. Oh, c'est l'interception. Adrien Rabiot. Ah, le ballon est récupéré, hein, force de harceler l'adversaire. Paolo Dybala. Peut-être une bonne opportunité, attention. Dybala, ouais, la tentative. Ballon capté par Buffon. Thiago Silva. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Edinson Cavani. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, la bonne lecture du jeu du gardien. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Attention, ce corner. Et le tir d'Edinson Cavani. Adrien Rabiot. Kylian Mbappé. La passe est interceptée. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Marquinhos. Il lève la tête, il va centrer. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. PSG qui obtient un corner. Ah, il part bien ce corner. Thomas Meunier. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. C'est dommage cette frappe ratée parce que le corner était bien tiré. Ouais, le contrôle est bon. Alexandro. Ah, ce serait une touche après ce tacle impeccable. Un ballon rendu à l'adversaire. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Oh, c'était important de faire ce tacle.
Et c'est dégagé par Thiago Silva. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Mbappé. Non, elle a été interceptée cette passe. La Juventus de Turin à l'attaque. Kunku. Marquinhos. Neymar. C'est un privilège hein, de voir jouer Neymar quand même. Lui me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent lui mettre des gifles, mais moi je paye mon billet pour le voir jouer. Paul Dybala. Juan Cuadrado. Matuidi. Pjanic. Adrien Rabiot qui vient couper cette passe. Thomas Meunier. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Thiago Silva. Ouais, on passe par les côtés. Adrien Rabiot. Marquinhos. Adrien Rabiot. Neymar. Marquinhos. Mbappé. Di Maria. Allez, le centre maintenant. Di Maria, pas mal le centre. Un long ballon, loin devant. Allez, ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes hein, pour recoller au score. Ah ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. Hein. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. Kylian Mbappé. Attention le tir. Bon, attention, c'est pas fini. Des minutes qui défilent trop vite pour les joueurs de la Juve. Cristiano. Matuidi. Juan Cuadrado. Ronaldo. La Juve à l'attaque. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur. Vraiment très bien joué. Matuidi. Matuidi. Un joueur qui se rate complètement. Trop de précipitation, c'est dommage. C'est quand même un ballon important. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Juan Cuadrado. Mandzukic. Ah non, le ballon est perdu. La rencontre qui s'achève à l'instant sur cette victoire donc du Paris Saint-Germain. Cette équipe va sans doute gagner une ou deux places au classement avec cette victoire et peut-être sortir de la zone rouge. Hein. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Votre sentiment, Pierre, sur la prestation d'Edinson Cavani aujourd'hui ? Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci. Quant à lui, il a été quasiment inexistant sur ce match. Il n'a pas marqué et plus inquiétant, il ne s'est pas créé la moindre occasion. Coup d'envoi donné à l'instant par la Juventus. Edinson Cavani. Ah, la passe en profondeur, attention. Edinson Cavani qui marque. Ah, c'est bien joué l'Uruguayen qui le rappelle qu'il peut marquer dans n'importe quelle situation. Mon Dieu, oh, c'est bien donné ça. Allez, qu'est-ce qu'il va faire Dybala? Quelque chose de bien, il en est capable. C'est le PSG qui est sanctionné sur ce coup. Avertissement, carton jaune pour Marco Verratti. Edinson Cavani. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, la bonne lecture du jeu du gardien. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. PSG qui obtient un corner. Matuidi, un joueur qui se rate complètement.
Trop de précipitation, c'est dommage, mais c'est quand même un ballon important.